Cinq jours après sa nomination par Sa Majesté le roi Mohamed VI, Hassan Boubrik prend officiellement les rênes de la Caisse nationale de sécurité sociale. La cérémonie d'installation du nouveau DG de la CNSS a eu lieu ce lundi 15 février en présence du ministre de l'Emploi Mohamed Amkrez, du Wali de la région de Casablanca Stats ainsi que tous les membres du conseil d'administration de la Caisse. C'est un Hassan Boubrik serein mais conscient de la responsabilité qu'on lui confie pour mener à bien tous les chantiers stratégiques de la Caisse pour les prochaines années. Parmi ces chantiers, la généralisation de l'AMO à tous les Marocains en seulement 2 ans. C'est dire qu'avec une expérience reconnue dans le domaine des assurances et de la prévoyance sociale, Hassan Boubrik est sans nul doute l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ecoactu.ma a recueilli une déclaration à chaud du nouveau DG de la CNSS juste après son installation. Tout d'abord, je suis extrêmement fier et honoré par la haute confiance de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Ma nomination en tant que directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale intervient à un moment crucial où notre pays a lancé un chantier très ambitieux d'extension de la protection sociale pour qu'elle puisse englober une large frange de la population marocaine. Ce chantier nécessite la mobilisation de tous. Et évidemment, la priorité des priorités pour nous en tant que Caisse nationale de sécurité sociale, c'est de contribuer à la réussite de ce chantier-là et de mettre en place tous les moyens nécessaires afin que nous puissions accueillir tous les Marocains qui demain seront compris dans ce système de protection sociale. Je suis sûr qu'avec à la fois la mobilisation de tout le personnel, tous les cadres et les dirigeants de la CNSS, et évidemment aussi avec le soutien des autres parties prenantes, je suis certain, Inch'Allah, que nous y arriverons. Pour suivre toute l'actualité d'Ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.